Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la Loupe Cuisine. Alors chez nous, on adore le riz. Je vous propose notre recette préférée, le riz pilaf. Pour la liste des ingrédients pour 4 à 6 personnes, il nous faudra 400 g de riz. J'ai pris du riz classique, du riz Oncle Ben's. Il nous faudra 600 g d'eau, de bouillon cube de poule ou de légumes ou toute autre saveur de votre choix. 2 oignons, 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 feuilles de laurier et voilà, le tour est joué. On va commencer par préparer le bouillon. Dans une casserole, je fais chauffer mon eau avec les 2 cubes de bouillon. Pendant ce temps-là, j'épluche mes oignons et je les coupe en petits morceaux. Dans une poêle, je fais fondre le beurre avec l'huile. Lorsque c'est bien fondu, j'ajoute les oignons et je les fais cuire à feu moyen pendant environ 5 minutes. J'ajoute le riz, je mélange bien pour qu'il soit bien enrobé de matière grasse et je le laisse cuire à feu moyen, moyen fort pendant 5 à 7 minutes à peu près, le temps qu'il colore légèrement comme ceci, en le remuant régulièrement. Lorsqu'il est un petit peu coloré, j'ajoute le bouillon qui est bien chaud, je mélange, j'ajoute les feuilles de laurier. Je couvre, je baisse le feu à tout petit feu, vraiment tout petit, et on laisse cuire 15 à 20 minutes. Et voilà, au bout du temps de cuisson, il n'y a plus d'eau et le riz est cuit. Il est délicieusement parfumé par le bouillon, par les feuilles de laurier et par l'oignon. Un régal, moi j'adore ce riz. En plus c'est facile à faire et ça change vraiment hein, du riz classique, du riz à l'eau. Donc je vous invite à reproduire cette recette, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur la Loupe Cuisine. A bientôt, bye!